Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好，敬请订阅并点击小铃铛. Dans une interview accordée à CCTV, première chaîne de télévision chinoise, le directeur pour la Chine d'IBM, Alain Benichou, a déclaré « Nous devons profiter de l'immense marché chinois ». Selon lui, IBM a pâti des tensions sino-américaines et de la crise sanitaire, mais la gestion efficace de la crise de coronavirus par le gouvernement chinois, la rapide reprise de l'économie chinoise, ainsi que la fulgurante progression de son industrie numérique ont renforcé la confiance d'IBM dans le marché chinois. Les données du cabinet IDC montrent qu'entre 2020 et 2024, le montant des investissements internationaux dans l'intelligence artificielle va doubler, passant de 50 milliards de dollars à 100 milliards. La Chine sera la troisième destination de ces investissements. 中国央视刚刚对IBM大中华区首席执行官包卓兰进行了专访。 包卓兰说，虽然中美关系的紧张和突如其来的疫情给 IBM 带来了冲击，但中国政府有效的疫情管控、中国经济的迅速恢复、数字技术的长足进步，反而使 IBM 对中国市场信心倍增。另据国际数据公司 IDC 称， 2020年至2024年间，全球对人工智能的投资会从500亿倍翻至1000亿美元。在这项投资上，中国将位于世界第三。